Bonjour et bienvenue sur DMD. On se retrouve sur Other Side pour continuer à écouter ce qu'on avait fait la dernière fois. On va essayer de faire une réminiscence en entier en mode plus casual play. Voilà. On était au bout du premier jour, on est arrivé au jour 2 et on avait avec nous eh bien, Grace, Prudence et Temperance qui étaient toutes les trois passées niveau 2 et on avait amélioré du coup les compétences de chacune. On va commencer directement, on va faire une synapse. Alors on a éprouvant ou éprouvant, la même chose de chaque côté. Voilà, ça c'est un choix très important. On est parti, on va mettre les trois sœurs, une de chaque classe, et on doit exterminer toutes les créatures. Careful. You wouldn't want my scalpel to slip into innocent flesh. Aura. L'une de vos sœurs possède une aura autour d'elle. Tiens, on n'avait pas vu ça. Les auras couvrent here, chaque case adjacente. And dragged this city into purgatory. Chaque aura possède ses propres effets. L'effet d'une aura prend fin si les conditions sont plus remplies. Donc c'est des choses qui sont tout autour de je ne sais plus quel personnage, j'ai un peu oublié. Alors on doit exterminer tout le monde. Où est-ce qu'est le monde? Là il y en a deux, là 3, 4, très bien. On va commencer garde fois. On va aller attaquer ces petites bestioles. Alors j'inflige 276, je vais pas le tuer, donc je vais faire un coup de bouclier pour retarder son tour. A bitter victory. J'ai pas compris. J'ai pas bien regardé. Memories of another life. Guard them well. Voilà, c'est ça qui l'a fait retarder son tour. Donc il devait agir à 30, maintenant il agit à 55. C'est bien ça. Finir le tour. Et passer à la sœur suivante. Chasse esprit. Alors est-ce qu'elle peut déjà toucher quelqu'un? Non. Pas de là, mais de là, oui, de là aussi. Alors déjà, elle va faire déplacer d'une case. Un petit cheval. Ça suffit, c'est parfait ça. Memories of another life. Et on va faire un petit tir d'interception parce que je suis sûr que ça, les ennemis ils vont nous attaquer au corps à corps tous les deux. On pourra pas y louper. Et elle, Grace, désormais, eh ben, elle peut bien se déplacer, ça c'est bien. On va rentrer en rage. Attendez. On se déplace là, et puis on va, ouais, on va agir avant. J'aurais pu faire la charge, c'est un peu bête. J'ai vu toujours qu'elle a la charge, elle. Est-ce que je peux en faire un autre? Non, c'est ça le problème. Mal joué ça. Alors une petite interception. Voilà. Pardon? On va faire plusieurs rafales d'affilée. Alors on peut s'arrêter là. Les ennemis vont arriver de là, là. On va enchaîner. One less to plague the innocent. Elle est en rage, donc on va la déplacer au max. Voilà. Normalement, lui ne peut pas aller jusqu'à moi.
Voilà. Alors, prudence. Bouclier, tout ça, tout ça. On va pouvoir se déplacer, l'attaquer. C'est bien, il se met juste à portée. Alors, soit je la fais agir plus tard, de sorte que plus c'est le temps. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Mais j'ai même le temps. Pousse de 5 cases. Elle a combien de points de vie? 367. Je peux la tuer en fait. One less to plague the innocent. Lui il va jusqu'où? Je vais reculer d'une case, comme ça je suis sûr qu'il ne me touche pas. Et on s'arrête là. More of his doctors. Or should I say acolytes? Il a dit lui d'aller là, donc si je me mets là, c'est ok. Et donc on a nos trois ennemis restants qui sont apparus, on va pouvoir y aller. Oh, tu vas mourir. Bon, c'est tous les mêmes, des corps à corps. Pas trop de problème avec ça. Ils sont costauds. Voilà. Shred them down. On va s'éloigner un peu. Est-ce qu'il peut. Ouais, si on se met. Ah non, je peux pas. Bah, on va l'enchaîner. Hein. En espérant que les serres le tuent avant. Elle a bien utilisé son tour. On va se déplacer jusque là, il faut seulement qu'on le tue. Alors il a combien de points de vie? 530. C'est pas mal ça. Non. Les boules. Il avait combien de chances d'esquiver? 15%? Allez, hein, c'est très vite. Allez. Non, 2 fois de suite, 15%. C'est quoi ces statistiques là? C'est pas possible. Et elle qui, bien sûr, ne peut pas y accéder. Oh non, toute ma vie, je vais me faire prendre énormément de dégâts. Là, je vais me projeter contre. Voilà, ça lui fait pas mal de dégâts, mais ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, je vais trop vite là. C'est un jeu qui a besoin de plus réfléchir. Et là, non. Je me fais défoncer. On peut pas recommencer. Ah! Aïe 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 aïe. La douleur. On donne tout. L'autre agira juste après. Normalement, ça va suffire. Il reste encore un. Parfait. Bon, j'ai un tout petit peu plus de dégâts à chaque coup. Ça va bien. On s'est bien fait défoncer sur cette mission. On va pouvoir voir du coup le soin, comment ça fonctionne. Donc, We draw ever closer to fulfilling our purpose. Elles n'ont pas gagné les mêmes points d'expérience, je sais pas pourquoi ça. Alors, it is done. Des souvenirs. Donc, des souvenirs, c'est ce qui permettait d'améliorer nos compétences. Gagner comme souvenir.
bien. Elle est pas bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la. On va la tuer. Pour soigner celle-là. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez en bas, il y a sacrifice ou régénérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la régénérer elle en sacrifiant Grace. Donc, je sacrifie Grace pour régénérer Prudence. Et ce qui se passe, c'est que bah, du coup, Prudence va garder une partie du souvenir de Grace, ce qu'elle était. Et donc, ça va donner à Prudence plus de dégâts, la lame de Grace, plus de dégâts et des dégâts critiques. On va faire ça. Ça la soigne complètement. Voilà. Et elle, elle a du coup gagné. Pardon. Du coup, le trait lame de Grace. Donc elle est pas mal quand même. Hein. L'armure des ennemis, là, on aura. Qui les empêche d'esquiver aussi. Ah oui, j'avais ça en plus. Ah non, elle était pas encore à part. Et lame de Grace, donc plus de dégâts. Ça, c'est pas mal du tout. On va améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Augmente les dégâts de 55, augmente les chances de coup critique d'une compétence de 5. Ça c'est pas mal, hein. On va faire ça. Devient balèze. Elle. Alors je sais pas si 55 c'est à chaque coup. Essayez. Ce sera vraiment très fort. Voilà. Et puis on va du coup germiner une nouvelle sœur, parce que là on n'en a plus que deux, donc on va en faire une autre. Modesty. Et donc on va recréer un maître lame. J'ai essayé de garder l'équilibre entre les personnages. Sauf que bah, du coup, vu qu'elle vient de naître, elle est que niveau 1. Unleash her on any who stand in her way. Chance de coup critique, j'ai encore. Allez, je vais mettre une petite emphase là-dessus. Et là-dessus. Non, j'ai pas assez. Ah oui, je n'ai plus de Vitae. Donc voilà, la ressource qui va être vraiment compliquée. Les souvenirs, on sait. Eh bien, je pourrais continuer, sauf que je n'ai pas. Qu'une sœur, ça va être compliqué en éprouvant. Je pourrais recommencer une nouvelle réminiscence, mais je vais juste me reposer. J'ai quand même un groupe qui fonctionne à peu près. Et donc on est arrivé jour 3. Jour 3, et eh bien écoutez, on a éprouvant, difficile. Je ne sais pas ce qui est le plus dur entre éprouvant et difficile. Là, on a pas mal de Vitae qui arrivent. Le sauvetage, c'est vraiment pas évident. Je préférais la chasse. Il faut tuer tout le monde. C'est plus simple. Et on est parti. Deuxième synapse. Ils ont voilà, le cerveau au fond. Ah, ça s'est remarqué que je réfléchissais pas assez. Merci. A wretched stench to mark a vile horror. Alors, elles sont où ? Voilà, les points de vie de Temperance qui n'étaient pas à fond tout à l'heure, donc elle est maintenant à 552, parce que sur 613, elles ne se sont pas régénérées. Hein. Le seul moyen de se régénérer, c'est en sacrifiant une autre sœur. Ça, c'est assez dur. On a deux ennemis ici, il y en aura 7 en tout, il y en a deux autres là-haut. Ah, il y a sur tous les fronts. Qu'est-ce qu'on va faire ? On gère lesquels d'abord ? On va gérer ce duo. Toi, t'es là-haut, t'es le maître lame. Est-ce qu'ils peuvent nous atteindre ? Non. Je me déplace un tout petit peu, tu peux plus nous atteindre. Et eux, ils sont très loin. On va les laisser agir un peu, on va se regrouper. Voilà, fin de tour. Idem.
Tac, et fin de tour. Venez par ici, les cocos. Est-ce que si je fais ça... Non. Là. Toujours pas. Là oui, sauf que derrière, tu vas te faire toucher. Placer juste là pour que je sois pas trop près. Bon, en plus, il s'avance pas. Là, c'est des tireurs, on va faire gaffe. Et ben, c'est parti. Là, on va tout donner. Alors, attendez, parce que si je fais ça, moi 65, ça c'est pas mal parce que du coup ça fait beaucoup plus mal. Alors, est-ce que ça suffit pas de lui tuer la première attaque? Il a combien de points de vie? Non. On va faire une lame imprégnée. Là, normalement, il meurt. Elle. On va se mettre là. Et on va le forcer. Ah non, ça va me faire entrer en rage. J'aime pas ça. Bizarre. Je vais me remettre en arrière. Ah oui, et donc Laura, ça fait gagner à Modestie des chances d'esquive. Elle. Concentration sur le deuxième, bien sûr, on esquive, mais on tire trois fois. Et en effet, à chaque attaque, on a le plus 50. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très fort du coup. Alors, nous souvenir sur cette compétence. On va l'achever, ce serait bien. Non, on ne peut pas l'achever, il ne nous reste pas grand chose là. Ce qui veut dire que lui, il va arriver jusqu'à nous. Ouais, on va se rebrousser. Ouais, c'est bon, je peux me mettre en arrière. Tout va bien. L'attaque. Il est one shot. Pas trop fort. En plus, c'est elle juste après. Qui va le charger, le petit coco là-bas. Il lui reste pas grand-chose. Voilà. On est en rage. On est déjà en rage. Les autres ennemis vont arriver du coup. Il n'y a pas encore de nouveaux ennemis, donc on va juste se rapprocher. Alors, eux, ils sont là. Restez groupés. Des petits joueurs, hein. Une case à chaque fois, c'est pas un gros risque, on va dire. Hein. Vous voulez que j'approche, quoi, hein, c'est ça? Le truc, c'est que là, si je les tue pas en une fois, ils ont pas beaucoup de points de vie, tu me diras. Si je fais ça, je peux peut-être. Ouais, il manque pas assez, normalement. Alors, 279 trois fois, ça devrait aller. Je vais faire ça au pire. Comme ça, j'ai mon autre sœur pour le tuer, parce qu'il va reculer dans l'initiative. Voilà. Temperance. Chasse-esprit. C'est le tir. On va avoir les deux. Là, j'ai les deux. On va faire ça. Rafale sur lui déjà. Bitter victory. Et on va finir tout le tour en rage.
Écoute, on va payer. Oh non, sérieusement, il reste combien? 8 points de vie, vous êtes sérieux? Bon bah. Là, ce qui m'attend, c'est que le monstre va apparaître juste à côté. Donc il va falloir que je fasse sortir l'interception. Sinon, se prendre des dégâts, ça va être trop violent. Donc on en avait un en bas. Il reste 3, donc non, ben, c'est le seul qu'on va avoir apparaître à ce moment-là. Il y en aura d'autres plus tard. Jusque là. Mais... Ce serait bien de pouvoir faire ça. J'allais trop loin. J'allais trop loin, j'aurais pu m'arrêter une case avant, mais du coup j'aurais pu faire la main premier. Ah ouais, c'est un gars au corps à distance, j'ai pas regardé. Alors là on a vu apparaître d'autres qui doivent être. Là-bas, tout au fond, si on a le temps. Alors d'ailleurs, on peut regarder. Ouais. Ça, c'est un boucher, donc c'est corps à corps. Et lui, un autre, donc corps à corps. 812 points de vie, 800. Ils n'ont pas tous le même nombre de points de vie à leur arrivée. Pas mal comme idée. Alors. Encore une fois là, vous le laissez avec 15 points de vie, vous êtes sérieux? Striking. Voilà. Je vais finir le tour. Il s'approche, très bien. Pour l'instant, on s'est pas pris un seul coup, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est ce que veut le jeu. Hein. Si je m'avance de 1, je peux pas, de 2, je peux. Donc on va faire 2-2. La rafale. Alors, au niveau des attaques, c'est un peu tout le temps les mêmes qu'on fait, c'est peut-être un petit défaut. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une troisième? Oui. Voilà. Whatever we can to prevent this torture. Sans lui, on pourra pas aller assez loin, donc c'est ok. Elle, on va se rapprocher ici et le laisser avancer. Voilà, parfait. Ça va pouvoir te défoncer. Je vais faire un coup de ça, si ça suffit pas. Ça. Non mais c'est bien. Faut qu'elle gagne en niveau. Donc autant la faire tuer, j'imagine que c'est celle qui tue les créatures qui du coup gagnent en niveau. On est sur la deuxième synapse réussie. Voilà, un peu mieux que la première. Qu'est-ce qu'on a gagné? 200 vitae. Une bonne expérience. Un prêt, c'est cool. Et du coup, elle a passé de niveau. Tout le monde a passé de niveau. On a des niveaux 3. Ça, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a gagné comme trait, alors? Dégâts plus 50, ça me va. Très bien. Et une nouvelle compétence, du coup. Le choix entre les deux qu'on connaît. J'aimais bien la charge. C'est quand même pratique. Et une charge qui peut soit avoir des coups critiques... Une attaque supplémentaire qui inflige 66 dégâts de base. Ouais. Ça vient sur, sur notre ami avec des armes à feu. Gagner un trait aussi supplémentaire. Traqueuse de peste, dégâts contre les adeptes plus 10%. Elle commence à être très forte, Prudence. Hein. Ouais, on va essayer de la garder. Elle. Bouclier.
pas grand-chose. Et elle a toujours pas de trait. Par contre, ouais. Et ça, c'était très très bien quand même. Si je fais ça là-dessus, là, ça marche. Ok. Oui, j'ai vu tout ça. Hein. Très bien. Les souvenances qu'on a gagnées. Remember. Donc ça, c'est ce qu'on va garder d'une partie sur l'autre quand on va recommencer une nouvelle réminiscence. Donc là, par exemple, on pourrait activer sans chatoyant qui augmente les PV de nos sœurs quand on recommencera la partie. Il y en a un certain nombre. Ça, c'est le côté du coup roguelite un peu. Ça utilise du coup la ressource en haut à gauche, là, la dernière, les éclats, je crois qu'ils s'appellent. Pour l'instant, on n'en a pas. Remember. Donc, on va pas pouvoir l'activer, je pense. On va voir. Voilà, je peux pas l'activer, j'ai beau appuyer. Ça ne marche pas. Il va falloir qu'on en gagne. Idéalement, avant de faire une prochaine réminiscence. Après, faire une prochaine réminiscence va nous donner des éclats bonus. Donc, voilà. Je crois qu'une des autres façons, ce serait de faire des sauvetages. Une autre mission où du coup le but c'est pas de tuer tout le monde, mais de sauver quelqu'un. Je laisse avec la scène. What we do is a mercy to the world. A mercy. Premier boss qui apparaît, le chirurgien. Possible de l'affronter quand on veut en fait, mais quoi qu'il arrive, au septième jour, il va falloir l'affronter, quoi qu'on fasse. Alors après, on peut s'entraîner avant, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va gagner comme souvenance encore? Ils me disent que j'ai une nouvelle souvenance. On vient de gagner quelque chose, il est possible de ressusciter une sœur morte au combat. Une paire de ses... En découvrant le boss de l'air. C'est pas mal ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a quelque chose de très très fort là. Survie, j'ai jamais vu ça. Ça fait beaucoup de points d'expérience, tout ça, tout ça. On essaye. On se fait un petit sauvetage avant. Ou une nouvelle chasse. Allez, j'ai envie de faire la survie. Je suis un fou, je vais tout perdre. Allez, c'est pas grave. On va pour jouer. Take away his tools of torture. On a dit que si ça on l'a réussi, on pourra peut-être aller voir le boss directement après. Donc, embuscade, survivre jusqu'à l'apparition d'une brèche, puis évacuer les sœurs. On ne peut pas gagner, c'est bien. Créez vos propres enchaînements. Who did they bleed here for their precious cure? Compte à rebours, 270. Donc il va falloir tenir 270 d'initiative, j'imagine. Sachant qu'on ne peut pas gagner, on va se mettre côte à côte. Hein. De toute façon, il y en a là, ça apparaît là, un là, aussi qui peut pas nous atteindre, un là.
attendre un peu. Vas-y, rapproche-toi, mon coco. C'est bien parce que du coup, il s'est rapproché juste ce qu'il faut. Ouais, j'y vais. Allez. Perd de l'armure, il perd de l'esquive. Plein de dégâts 3 fois, combien il a de points de vie? Ouais, ça va le tuer, ça. J'ai des stats, mais ça va me faire rentrer en rage. Est-ce que si je fais ça, oui, ça me fait rentrer en rage aussi. Ça. Aussi, mais ça va pas le tuer. Allez. Ça, il me reste 19, c'est pas assez. J'ai le temps de me... Eh oui, je peux me revenir en arrière. On n'a rien vu. Voilà, toi, c'est pareil, tu vas attendre que ça vienne. Hein. Ah, la compétence de saut chute, là, ça va peut-être être utile. Hein. On sent que c'est tendu, direct. Déjà, tu t'annonces au départ, tu peux pas gagner. Faut juste attendre, compte à rebours 224. Très bien. C'est toi. Alors toi, t'as quand même point de vie 357, c'est rien du tout, ça. On peut te one-shot facilement, toi. Si je fais ça, en plus, ça ne me tue pas. Normalement, c'est bon. Voilà. Une meilleure victoire. Tir chargé. Alors ça, il faut vite tirer quelque chose. Ça arrive à 59. Ah, celui-là, je l'avais oublié. C'est là et je vais faire l'esquive là. Sous explosif et je vais revenir ici. Ça, c'était bien ça. J'ai bien aimé ce qui s'est passé là. Je suis déjà en rage donc on va enchaîner. Et tir d'interception juste au cas où. On va se déplacer un peu ici. Voilà. Toi, eh bien, tu vas le finir. Non. Vous êtes sérieux? Bah, tu vas le finir, on m'a dit. Voilà. Exquisite. Alors, on va avoir lui qui va agir, lui ne peut pas nous atteindre. Ensuite on a lui là qui va faire des choses pas très agréables, pas gentilles. Je vais me remettre à côté de mes autres sœurs, on s'arrête là. Prudence, c'est intérêt de tuer le petit gars qui est là, là. Tac. Voilà, on a enlevé son coup. Et là, on donne tout ce qu'on a. Des stocks. Hein. Voilà. No mercy. Bon, là, par contre, on agit très tard. Hein, donc. C'est compliqué. Ah, les nouveaux monstres, alors ils sont où? Ah, ils vont apparaître. J'en ai un truc ici. Un tireur d'élite.
Eh, ça va en vrai, hein. Là, c'est mon chasse-esprit. Donc si je te mets là, c'est ok pour les rafales. J'aurais pas dû faire le tir de perception. Perdu 10% de points de vie pour rien. T'es déjà en rage, mais on va rester tranquille. Hein. Et on voit la porte apparaître en 74. Je sais pas où ça va apparaître. C'est ce qui est dur. Bon, il y a le sel dans le jeu. En vrai, c'est tendu. Hein. Pas trop le droit à l'erreur. Là, il n'y a qu'un seul monstre. Mine de rien, ça va. On a bien géré parce que c'était pas donné au départ. Lui, il tire, donc il tire de loin. Ouais, mais si on fait ça, c'est ok. Bon, remarque, non, je vais juste attendre. Je sais pas où sera la sortie, donc ça se trouve, si je me mets trop loin, ça va pas le faire. Là, elle, on va regrouper tout le monde. On attend. La sortie est de l'autre côté. J'ai bien fait de pas m'avancer vers lui. Ce qu'on va faire, c'est que on va rusher. Alors, il y a deux autres monstres qui ont l'air d'apparaître à 14, je sais pas où. Il n'y a pas d'indice. Ok. Bon, très bien. Alors, on va peut-être faire une petite rafale avant de partir. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ça j'aime, comme ça on peut faire une petite retraite. Tranquillou bilou. Voilà. Ils sont où les ennemis? Mais il y a du monde là qui apparaît. Deux là, deux là-haut, on s'en fout. Un là, on s'en fout. Moi, ce qui m'importe, s'il y en a un qui va apparaître là, qui est bien énervé en plus. Ouais. Est-ce que je rush quand même? Tu vas te prendre un coup, Tampon, ça. C'est sûr. Hein. Ça change rien. Voilà, juste au cas où. J'ai pas totalement compris s'ils pouvaient nous toucher juste à leur limite ou s'il fallait c'était dans la zone blanche ou si c'était juste à côté de la zone blanche, ça fonctionne. Ouais. Il nous a pas attaqué. Donc ça c'est bien. Ouais, allez, sortez tous là. Sortez tous, on va partir. Ciao, bonsoir. Oui, je sais, bonjour, bonjour, bonjour. Le jeu il s'est énervé d'un coup, il t'a fait sortir 10 ennemis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Putain, on avait bien cligné le. Ah oui, je l'ai pas eu. Alors. Déjà, celui qui est sur notre route. Il va mourir. Pas suffi à le faire mourir. Les Prudence, il faut qu'elles se barrent. Donc, ce sera les autres qui vont le finir. Non! Mais je suis débile! J'ai fait fin de tour. La lui, il a l'air énervé. Il a l'air très énervé lui. 2300 points de vie, tout à fait.
Voilà, ce qu'il fallait faire, c'était fuite. C'est bon. Je m'en veux, je suis nul là. Mais ouais, mais oui, vas-y, défonce-moi ça. De toute façon, j'aurais pas pu gérer, quoi qu'il arrive. What new horrors must we face? J'aurais gagné quoi. Au lieu de ça. Flawless. Ouais, tu veux pas que je m'enfuis? Je sais pas pourquoi il voulait pas que je m'enfuis. Voilà, si j'avais pas été con. On va espérer qu'elle se prenne pas un coup là. Par le gros Billy qui arrive parce que. Tu m'en voudrais de perdre ma belle prudence pour ça. J'ai bien fait toi une armure, t'es mignon. Il y en a trois nouveaux qui sortent du sol, j'ai pas regardé si c'était pas à côté de moi. Il y a une ambiance dans le jeu, t'es, franchement, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais t'es tendu quand tu joues, quoi. Regarde, il y en a un là-haut, c'est un gros d'ailleurs. On sent qu'on va les croiser bientôt ceux-là, non? En vrai, il va falloir les tuer à 3000 points de vie. Hein. T'en mettre 3, voilà, histoire de te dire que si tu restes, t'es bien mort. Bon, je suis content. Mon erreur ne m'a rien coûté. Alors, bouge. Bouge, bouge. Fuite. Voilà. Ciao, bonsoir. Et on a réussi même derrière. On s'est pris un gros coup. Mais c'est tout. Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul coup. On est passé niveau 4. Avec Temperance. Bien ça. Niveau 3 avec Modestie. Comment ça va être bien? Though the danger passes. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné niveau 4? En particulier. Il n'y a pas de trait sur un niveau 4. Elle est bien niveau 4, mais il n'y a pas beaucoup de... Les autres, là, elle, ma prudence, je l'aime beaucoup quand même. On a plein de points. Chance de coup critique ou des dégâts en plus, des dégâts en plus hein. Base 275, on va germiner une sphère. Non, je vais garder un peu les sous, je vais garder un peu ma vitalité. On va se reposer, on va voir ce qu'il y a avec le point d'exclamation. Festin, la santé de tous les ennemis augmente de 30% au détriment de leurs armures. Ah oui, d'accord. D'accord. Il faut nous dire qu'on a rencontré du coup les gros Billy. Ouais, les chasseurs. Le bestiaire est quand même bien fourni. Hein. On va se tenter le boss. Et puis je vous propose que ce soit une réussite ou un échec, on s'arrête là-dessus pour la vidéo. Donc, terrain confiné menace le chirurgien. Malheureusement. Avec 30% de points de vie en plus, mais moins d'armure. Ils ont plus d'armure d'ailleurs, plus d'armure du tout. Et on va y aller avec tout le monde. Mine de rien, 1145 points de vie, on commence à être bien là. On va voir le boss. Premier boss du jeu. C'est toujours la première réminiscence, hein. On n'a pas activé de souvenir. De. Ouais, de. Je sais plus comment ça s'appelait. Souvenance, je crois. Our research must continue. Affronter le boss. Il veut faire des recherches, lui. A monument to terror. They destroyed a child. Franchement, le graphisme de ce jeu, c'est à
Avec ses deux épées, par contre, il fait un tout petit peu peur. Hein. Ouais. Mets des petits minions, vas-y. 4. Ouais. Alors, toi, tu vas jusqu'où jusque-là. Mais on t'aura tué avant. Ouais. On va se mettre juste ici. On va finir le tour. Pendant ce temps, les autres. Tu vas jusqu'où, toi, on a dit? On va reculer quand même un peu. Ah, j'aurais le temps de me tuer avant. Là, ça devient chaud. Allez. C'est bon. En rage, elle est tout le temps en rage, alors c'est chaud quand même. Hein. Voilà, restons groupés. J'ai pas regardé ses points de vie d'ailleurs. Quand tu te rapproches, dévotion. Oh non, ça va pas ça. Genre, ils peuvent le buffer de si loin en plus, mais bien sûr. Ah ouais, va pas falloir que j'attende qu'ils viennent en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Toi t'as pas encore agi, donc faut que je te tue d'un coup, sauf que je peux pas. Oh putain, c'est la merde ça. Combien de points de vie du coup le boss là? 7000 avec 1000 d'armure, on est bien d'accord. Alors est-ce que si je tue les minions du coup, ça lui enlèvera l'armure j'espère, parce que 1000 points de dégâts, je sais pas comment je fais. Ouais, buff-le, tiens. Bonus d'initiative. Il va me défoncer. Il est vraiment dur hein. On est mort, j'annonce hein. Vous avez pas compris encore. Jusqu'où toi? Bien sûr, tu fais toute la map. Ouais. On va faire ça quand on va réagir au prochain tour avant lui. Encore une dévotion. Ah d'accord, non, par contre ça dure que jusqu'à ce qu'il rejoue quoi. Donc ça. Faire ça et ça. C'est jamais. Peut-être ça traverse l'armure, je sais pas. Alors là. S'ils sont trop loin, c'est con. Faut que j'aille, hein.
coup de bouclier, on va le faire sur lui, comme ça il va se projeter contre l'autre, ça va leur faire mal tous les deux. Voilà. Je peux plus rien faire malheureusement. Là, il va falloir qu'on intercepte le tir. Ah non, il joue avant. Putain. Il fait pas si mal. Il fait pas si mal, ça va. Est-ce que c'est le chemin? Ouais, non, ça lui fait rien. C'était pour tester. Hein. Il y a trop d'armure, on est bien d'accord. Petit tir d'interception. Au cas où on se laisse toucher, ça sera toujours mieux. De toute façon, c'est quand même super chaud. Hein. Ouais, ça lui a rien fait quoi. Putain, c'est chaud. Faut vraiment qu'on tue tous ces minions avant de le toucher quoi. Interception, c'était bien joué. Et ça la tue en un coup. Ça c'est très bien. Et par contre, on va se prendre le deuxième. Ouh, oui, il esquive. La dévotion, pas gueule. Pardon, c'est vulgaire. On va faire une petite entaille. You can't stop progress. The cure will be found. Qu'est-ce qu'il fait? On invoque d'autres, c'est ça? Armure perdue, résistance. Il a plus d'armure, il est bloqué. C'est le moment de tout donner. Par contre, il a vraiment, vraiment beaucoup de points de vie. J'ai 1000, vous avez vu la barre, elle s'enlève à peine quoi, il a 7000 points de vie. Et lui en plus la vie. Automatisation qui va te soigner, c'est ça? Bonus d'initiative. Trois attaques. Ah non, non, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Alors ça tu vas le retarder, hein, on est d'accord. Ah tu me contre d'accord. Ça c'était pas prévu dans le plan, mais on peut, hein, y a pas de problème. Ouais, elle est là, histoire de voilà d'éviter ce qui est en train de se passer, mais si je sais pas ce que c'est. Ça n'avait pas l'air bien. On va te bourriner, je sais même pas comment. Allez, donne tout ce que t'as, Tom Friends. À la fin, je te fais un petit tir d'interception en plus. Cette classe de chasse-esprit est très bien. Mais en fait, c'est une bombe à retardement, quoi. Elle s'auto... fait mal, du coup, il y a un truc où... t'as la perdre à un moment donné, quoi. Tour, c'était 4 actions quand même, c'était très mal. Ouais, c'était mieux de sortir, hein, je pense. C'était mieux de sortir de cette zone. Et franchement, on est bien barré. Bonus d'initiative, si tu veux. Non, pas Tom Prince. Ah, putain, la cap, c'est quoi? C'est ton gros coup? Non, c'est 3 coups là. Mais ça fait beaucoup plus mal sur Tom Prince. Putain, ouais. Oh là là. Elle a perdu vachement cher en un coup. Alors, on va faire ça. Le coup de bouclier, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Mais ça, je dis oui, mais oui. Mais là, on attend. Ça va être chaud.
Je sais pas si c'est une bonne chose ce que je viens de faire. Ouais, tu t'en prends un... Putain, à chaque fois on s'en prend un retour quoi. Non, je peux pas m'enlever. Non. Putain, je vais prendre fer. Ouh, ben voilà. Ben voilà, elle est morte. Première mort, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Mais vas-y, continue sur toi. Bon, en tout cas, elle a de l'armure, elle. Et la musique, par contre. Ça met tellement dans le mood. Allez, ton prince, tu peux y arriver. Mais oui, c'est une victoire. C'est un GG. C'est un GG avec une perte, par contre. C'est un GG un peu amer. Memories of another life. Et donc quand une sœur meurt, on peut la ressusciter avec des emblèmes de résurrection qui sont donnés quand on accomplit des missions de sauvetage ou par certaines souvenances. Donc mais écoutez, ciao modestie, hein. Ça nous a quand même permis de faire monter Prudence et Temperance au niveau 4 et 5 respectifs, ce qui est très très fort. Et on a battu le premier boss. Je laisse avec la cinématique du premier boss. Who are you to question? The plague will kill us all. Each cut brings us closer to the cure. They spoke lies, little one. Too little to fight. They cut me because I could not die. We will fight for you. Release this memory to me. Continue on, or we will never escape this convergence in space and time. Et voilà. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce jeu vous plaît. En tout cas, moi j'ai un énorme plaisir à y jouer. C'est une petite pépite que je découvre un peu par hasard. Si vous avez envie d'y jouer, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder. Il est en ce moment sur Instant Gaming vraiment pas cher. Là je l'ai eu moi pour 1,07€, c'est pour vous dire. Et pour la qualité du jeu, très franchement, même au coup plein, c'est vraiment une belle pépite que je vous conseille si vous aimez en tout cas ce genre un peu XCOM, le côté roguelike aussi, où on recommence petit à petit les plusieurs réminiscences. Et puis le côté sombre, on aime bien les jeux qui sont sombres comme ça. Enfin bon, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, suivez le lien si ça vous intéresse pour avoir le jeu sur Instant Gaming, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.